Hi everybody and welcome back to Follow Your Dreams. I hope you're going well. Today I'm very happy because it's a short video, but it's a video of a museum I visited. It's between Rouen and Le Havre near the river La Seine, and the house name is Maison Villequier, and it's a house where Victor Hugo was living. And Victor Hugo is a very famous French author, political man, and I really like him since I'm young. His poetry, his novels, his theater plays, and the things he tried to change when he was a political man about a lot of different subjects, very important at this time, but also important now. So I'm very pleased. I hope you will enjoy the video. If it's the case, please put a thumbs up and subscribe if you didn't at the moment, and post your comment and enjoy. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo courte, mais qui me tient à cœur. Un petit village en bord de Seine entre Rouen et Le Havre. Et c'est une maison dans laquelle a habité Victor Hugo. Et c'est à cet endroit-là, dans la Seine, que sa fille et son gendre se sont noyés. Et c'est un homme, Victor Hugo, que j'admire beaucoup. Alors peut-être pas forcément en tant qu'homme dans sa vie, on va dire, affective, sentimentale, amoureuse. Par contre, en tant qu'auteur, bien sûr, de romans, de pièces de théâtre, de poésie. Depuis que je suis enfant, je l'admire beaucoup. Et puis, en tant qu'homme politique, les combats politiques qu'il a menés, je trouve, sont des combats intéressants. Il a lutté quand même contre la misère, contre la peine de mort, contre l'injustice. Et il a écrit des choses vraiment extrêmement intéressantes sur des sujets qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et je pense que c'était un homme éveillé, un homme qui était en avance sur son temps. Donc je suis très heureuse d'avoir fait cette visite et j'espère que cette petite vidéo vous plaira aussi. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster vos messages dans les commentaires.